Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, parce que pour ma part je vais vraiment nickel chrome. Et donc aujourd'hui nous serons pour le petit gameplay du hashtag 2 du fameux horreur, le retour de l'horreur. Et oui, ça fait 4 jours ou 5 jours que j'ai pas fait sur Slanetubbies 2D, toujours sur tablette. Et donc du coup nous serons pour la deuxième partie, donc évidemment il y aura des petites coupures au montage, hein. Évidemment, bien évidemment, pour d'autres maps et d'autres monstres. Donc c'est parti, let's go. Donc souvenez-vous, on avait rencontré le fameux homme, le grand homme violet. Et donc du coup, c'est parti, let's go. Alors du coup, il reste... donc on est toujours en multijoueur, hein. Je préfère encore préciser. Oh putain. Ok, donc là c'est une nouvelle map. Donc on est dans la map Lake. Donc qui veut dire lac. Et parce que je suis très bon en anglais. Alors, bonsoir à tous. Donc en fait, j'ai compris enfin le principe pour récupérer des choses. C'est qu'en fait, il faut récupérer des sortes de petites soupes roses. Donc il y aura dans le montage tout ça, dans les montages qu'il faut récupérer. Et donc du coup, voilà, voilà. Donc c'est intéressant comme jeu. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce jeu évidemment, parce que voilà quoi, c'est... Bon, il y en a qui aiment pas, je comprends. Hein. Mais du coup... comme j'avais que trouvé ça comme jeu indifférent des jeux vidéo d'horreur en 2D en plus, en multijoueur qui est très rare d'ailleurs en 2D, ben j'ai décidé de faire un petit jeu vidéo particulier, en particulier sur ce jeu, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jeu vidéo d'horreur. Donc du coup on va faire une série sur ça. Donc du coup voilà, donc du coup dans le troisième épisode on va le faire en solo. Donc là il est actuellement 20h44 chez moi. Donc on est samedi 21 avril. Et donc je suis en train de filmer. Donc là c'est la map où il y a actuellement le monstre violet. Donc j'espère qu'on va le rencontrer, parce qu'on avait vu que normalement que le monstre... que le grand monstre rose violet. Et donc du coup là on va voir le... on va essayer de voir le monstre violet. Le monstre principal en gros. Donc normalement il est bleu ou violet, hein. Donc là je vois dans le chat qu'il y a que des espagnols et des anglais. Alors pour l'instant il y a rien d'intéressant. Donc je vais couper les scènes qui ne sont pas intéressantes. A tout de suite. Gros amis, nous sommes sur une nouvelle map intéressante. À ce que je peux voir, nous sommes dans une map intéressante. Et donc du coup les amis, on va pas perdre de temps. On va se mettre à courir, let's go. Donc c'est vraiment intéressant cette map, parce que on l'a pas encore testée en live. C'est bloqué. Ouah, putain mec, il y a que du sang. Et moi je vous dis, ça a l'air intéressant cette map. Alors au début je croyais qu'on pouvait contrôler le monstre, mais je crois qu'il y a qu'un seul monstre qu'on peut contrôler, hein. D'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu observer, on pouvait contrôler qu'un monstre. Ah bah voilà, c'est ce genre de truc qu'on doit récupérer, vous voyez, c'est soupe rose. Aïe. Oh my god. Mec, on dirait un laboratoire scientifique. En fait, je crois que c'est dans cette map là que ma miniature est faite, en fait. Avec des monstres, des apparitions de monstres, tout ça. Pourquoi on peut pas récupérer la soupe? Bon, moi j'appelle ça des soupes, hein, mais vous appelez ça comme vous voulez, hein. C'est votre choix. Mais mec. Ah, que t'as récupéré. Alors j'espère qu'on va pas avoir de monstres bizarres avec des oreilles, comment... Oh, il y a une soupe là. Et comment on peut pas la récupérer? Merde. Ah ouais, c'est vrai, il y a des putains de murs ou des... Et mec, si on n'a pas de jumpscare à la fin de la vidéo, je sais pas ce que je fais, mais... Ce serait trop bien en plus.
flashing, pas de jumpscare. Là, il y a un gros bruit. Brrr. Hello? En fait, c'est des égouts, je crois. Nous sommes dans des égouts. Putain, j'aime pas cette map. Elle m'inquiète plutôt que... Oh putain. Moi, je déteste les lampes. Alors, so... Oh, les mecs. Oh, yes. Yes, j'en ai trouvé une. Oh, merde. C'est quoi ça? What? J'ai qu'un mec. Yo, poto. J'espère que tu vas bien. Tu es en vidéo? Hein? Ah, bah voilà, Freddy. On a trouvé Golden Freddy. T'as mec, y a pas de monstre. Imagine, c'est la vidéo non spéciale monstre pour la deuxième partie. Mais moi, je veux voir des monstres. Hein, c'est la principale. Ah bah c'est bon, on a gagné. What the fuck? C'est quoi ça? Ok, on arrête, c'est gênant. Yo les amis, donc nous nous retrouvons encore sur une nouvelle map. Donc c'est la troisième map qu'on fait. Et donc du coup c'est une map cave. Donc celle-là est encore plus flippante que l'autre. Alors normalement on l'a en mode solo. Donc, je crois que c'est la map qu'on va avoir en mode solo. Hein. Ce que j'ai testé une fois en solo sur ce jeu. Et apparemment c'est celle-ci que j'ai vu. Donc du coup on va bien se flipper dessus. J'ai vu qu'il y avait un ennemi rouge qui suivait super bien. Et qui faisait flipper. J'ai dit mal le mot. Donc je peux vous dire que si tu le vois, t'es dans la merde. En fait, on dirait un labyrinthe, les meufs. Oh, shit. Mec, c'est horrible. La musique, elle est... Voilà, c'est ce monstre-là, putain. Je vous disais, c'est ce monstre-là qui me fait flipper. J'ai le monstre avec moi. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc c'est le gros monstre. Oh mec, je flippe ma race là. Mec, je l'ai contourné, je l'ai bouenne. Mec, je l'ai bouenne. Putain mec, je l'ai bouenne. Voilà, vous avez vu. Encore. Ok guys, donc je crois qu'on va se terminer avec cette map. Donc il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'apparitions d'ennemis. Enfin j'espère que c'est celle-là que je comprends bien. Alors là, nous retrouvons dans une map Labuchowi, on va dire un truc limite de ce genre. Et donc du coup, ben, nous devons encore collecter des petits trucs, hein. C'est parti. Donc il y a plusieurs modes de jeu, donc il y a le mode Teddy Bear, et les modes soupe. Je crois qu'il n'y a que deux modes, il y a un mode versus aussi avec les monstres. Donc du coup là, c'est la map la plus flippante donc, que j'ai vue. Et que j'ai pu observer aussi. Oh putain, c'est quoi cette chose? Ah! Non! Oh putain mec, c'est quoi ce bruit de... Mec, c'est horrible. Alors je crois que lui les monstres par contre. Donc voilà, je vous ai dit, on peut incarner aussi des monstres dans le jeu. Mec, qui m'a fait flipper ce monstre de merde. Ah mec. Oh non, je restais avec la map moi. Il reste plus qu'un, non. Mec, j'aurais vu que deux monstres dans ce jeu. Oh mec, c'est horrible ce qu'ils font. Enfin, il y a plusieurs maps, hein. Il y a au moins, sans vous mentir, il y a au moins 10 maps. Il est là. J'entends. Snapchat, c'est pas le moment, Snapchat, sérieusement. Donc on est à 9 minutes. Mec, il y a un monstre, je suis sûr, parce que j'en ai deux.
Il est où? Oh putain, mec! J'en étais sûr. Putain. Oh putain. Les amis, on va se laisser ici, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, elle est courte, on va dire assez courte. Et donc, du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu. Oh putain. N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu pour une troisième partie. Mettez entre 4 à 8 pouces bleus. Je sais plus si j'avais mis combien. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu. Et je m'assimère. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God.